Alors, Noob Dao. Je pense. Oui, BCM aussi. Allez, bien. Kim le biochimie des aliments, le tripat, BCM, le PGF. Alors, pour le métabolisme, ça c'est là. Ok. Alors, qu'arrive-t-il aux nutriments absorbés par l'intestin? Ça, on l'a vu. Ah bon, là, ça, on va le voir. Parce que justement, à la salle des nutriments Linaclo, on verra différentes voies qui vont être activées. Par exemple, il y a un régime cétogène, d'accord? Keto diet. Il va subir les mêmes mécanismes, ou bien il va activer les mêmes mécanismes que, je sais pas, une diète normale. Vous voyez, une diète standard, équilibrée, qui mène dans l'inchauffe, 55% glucides, 30% lipides, ou et protéines, d'accord? Là, ils ne vont pas activer les mêmes mécanismes. Que deviennent ces molécules dans l'organisme, on va voir. Quelles transformations subissent-elles? Bien sûr, grâce aux enzymes, on va voir le cycle de Krebs, la bêta-oxydation, la phosphorylation oxydative. Donc, demain, on va voir bien sûr deux parties faire le cours. Dans le métabolisme des glucides et ceux des lipides. Voilà, comme l'anabolisme ou le catabolisme. Maintenant, à la belle conclusion entre l'anabolisme ou le catabolisme. L'anabolisme, c'est le fait de synthétiser et le catabolisme, c'est le fait de détruire, de dégrader. D'accord? Donc là, qui est pour comme anabolisme des lipides, maintenant, je vais activer les enzymes, les redmouler les lipides. Qui est pour comme activer les enzymes du catabolisme des lipides, maintenant, les enzymes, les dégrader ou les lipides. Alors, voilà. La synthèse, l'assemblage, d'un autre côté, l'analyse, c'est tout pour l'anabolisme. Le catabolisme, c'est la dégradation. Donc, pour l'énergie, donc là, laissez-moi faire mot que l'ATP, c'est quoi? C'est une forme d'énergie. Litre de synthétisée par plusieurs voies. Par exemple, Hnaya, bon, c'est quoi l'ATP? C'est l'adénosine triphosphate. D'accord? L'adénosine triphosphate. Donc c'est l'adénine, l'asphéra, clata, plutôt pardon, l'adénine plus un os, les l'asphéra, clata, les phosphates, c'est tout. C'est pas compliqué. Donc là, l'adénosine triphosphate qui fait chute synthétisée par plusieurs voies. La première voie, c'est quoi? L'adénosine diphosphate plus PI. Donc c'est quoi? C'est adénosine diphosphate plus PI, attendez, adénosine triphosphate. Parce que, on a des zones phosphates, on a des adénosines plus zones phosphates. Qui est l'adénosine triphosphate? C'est là. Donc là, c'est par biais de l'ATPase. ATPase, c'est, bon, si vous voulez, il y a deux voies. Donc là, quand je pars de l'ATP à l'ADP plus PI, c'est l'ATPase. Quand je fais la voie inverse, c'est l'ATP synthase, ou bien synthétase. Maintenant, je synthétise de l'ATP. D'accord? As, c'est pour lyse, synthétase, c'est pour synthèse. Alkénatéanite, créatine, ou plutôt, pardon, créatine kinase. Je remarque que là, si vous voulez même, si vous voulez, bon, créatine kinase, si je vais de ça à ça, parce que je vais phosphoryler la kinase d'y aller, là, quand vous lisez PCR, c'est quoi? C'est la créatine. La créatine, les sportifs, ils doivent, pour les compléments alimentaires, il y a la créatine. Donc, nous savons que c'est une source d'énergie. Surtout, mais les fois pour les gens, les déroulent la sèche. Okay? Donc là, PCR plus ADP au chemin de train, c'est adénosine diphosphate plus une créatine qui est phosphorylée. La créatine, elle va céder le phosphore d'IL1. Ou tu mets de l'ADP, je te donne l'ATP. Donc là, c'est créatine synthétase. Par contre, quand je vais de ça à ça, c'est la créatine kinase. Voilà, je pense que j'aurai phosphorylation de la créatine. Est-ce que là, c'est clair? À coup de ferme, je vois à peu près. Dites-moi, le chat, est-ce que là, à coup de ferme? Parce que. Oui, les autres. Donc là, ce que vous voyez, même si.
شغل مانيش حبتكم تحفظوهم، حبتكم تفهموهم. Donc là, quand je synthétise de l'ATP plus CR, c'est quoi? C'est la créatine synthétase ou l'ATP, donc, il rejette parce qu'il a été, ou bien l'ADP diana, il a été phosphorylé. C'est tout. Je passe à autre chose. Là, vous remarquez, on dit deux molécules d'ADP. Lorsqu'ils sont condensés, j'aurai l'adénylate kinase. Voilà. Adénosine déphosphate, ayahout, menand l'adénosine déphosphate. Phosphate, il voulait les adénosine triphosphate plus, une fois qu'il perd, il voulait les adénosine monophosphate. Donc là, j'aurai une phosphorylation qui dit phosphorylation des kinases. Ok? Qui dit phosphorylation dit kinase. Winchhoff kinase, c'est phosphorylation. Est-ce que là, c'est clair? Vous me dites parce que là, c'est vraiment rien. Hein? C'est simple. Hein? Donc là, comme vous pouvez le voir, je crois que comme l'adénine plus un ribose. Adénine, base azotée, ose, plus 3 phosphates, c'est quoi? C'est l'ATP. D'accord? C'est l'ATP. Donc, lorsque je synthétise, allez, ADP plus PI, bon, avec l'ATP, l'ATP, lorsque je l'utilise, ND, donc synthèse de l'énergie. Donc, ça, là, quand je vous dis ATP, c'est une forme d'énergie, ok? C'est l'hydrolyse de l'ATP, c'est de l'énergie. Est-ce que là, c'est clair? Quand j'utilise de l'ATP, l'énergie. C'est pour ça que l'ATP est une forme d'énergie. Justement là, un des autres molécules qui vont me permettre à chaque fois de mettre de l'ATP. Justement, on va voir ça, les mécanismes. Tout d'abord, nous avons le mécanisme du glycogène. Nous allons vous lire comme le cours de NutriPath. Parce que je pense quand même que NutriPath date de slide Haylin. Attendez, bon, que je me trouve. Ah, oulik. Voilà. Est-ce que vous êtes tous là? Alors, je vais vous faire le métabolisme de glycogène. Bon, le glycogène, c'est une forme de stockage de réserve. Forme de stockage de le glucose. C'est-à-dire que le glucose, il va subir plusieurs modifications. Hop, il y a le glycogène. Glycogène. Il y a le foie, il y a le muscle. Donc là, c'est la glycogénogenèse hépatique ou bien musculaire. Donc là, je vous montre ici. Pardon, je la cherche. Voilà, on part du glucose au glucose 6-phosphate parce qu'il intègre la cellule. Il va subir la glycogénogenèse pour me donner le glycogène. Là, j'apprends rien. Moi, j'ai comme les étapes. C'est ça le métabolisme. C'est la voie la plus importante. Donc, Thomas, à votre avis, où est-ce que j'aurai la synthèse de glycogène ou bien la glycogénogenèse, où est-ce que sera activée? C'est lorsque j'aurai l'insuline. Synthèse d'insuline, où est-ce que sera la synthèse d'insuline? Moi, je le sais. C'est lorsque j'ai une hyperglycémie. Hyperglycémie, synthèse de l'insuline par les cellules bêta pancréatiques, où est-ce que sera? Glycogénogenèse hépatique musculaire. D'accord? Donc, stockage, le glycogène. Donc, vous allez me dire qui fait. Je prends ma chaîne comme bien sûr. Trop confirmé. Attendez les réactions ou bien attendez, comment dire, les différentes enzymes qui vont entrer en jeu. Donc là, on le dit comme à chaque fois qu'il y a le glucose au niveau des cellules, les mycoles phosphorylées. Donc là, il a subi l'action du kinase ou la glucose 6-phosphate. Ça dépend des tissus. Il y a plusieurs types de kinases, exokinase 1, exokinase 2, exokinase 4. On est au niveau du foie, donc exokinase 4. Ou bien, si vous voulez, glucokinase, c'est le même nom. Exokinase 4, c'est la glucokinase. Adéhia. Terminé glucose 6-phosphate par phosphorylation au niveau du sixième carbone. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai eu une phase ou bien une première transformation, c'est l'isomération. Vous allez me dire, c'est quoi l'isomération? À la balle, quand nous avons les isomères. Un isomère, c'est une autre forme de la même molécule. Donc, glucose, naya, 6, il est phosphorylé au niveau du 6-phosphate. Là, il est phosphorylé au niveau du premier phosphate. Donc, c'est la même formule, c'est les mêmes composés, mais la forme, ou bien si vous voulez, la configuration spatiale, ok. Donc là, glucose 6-phosphate, vous voulez glucose 1-phosphate. Ceci est dit une isomération. Bon, c'est grâce à une phosphoglucomutase. Donc, le P
va muter au niveau d'un autre carbone. Il est parti du sixième carbone au premier carbone. Donc ça, c'est l'isomération. عندي une deuxième phase. Pardon. Une deuxième phase, c'est l'activation du glucose. C'est-à-dire, le glucose, عندي glucose 1 phosphate, je dois l'activer par l'uridine 10 phosphate. Donc là, c'est des enzymes que vous devez apprendre. Si vous, adjusto, franchement, si vous, adjusto, vous, genre, vous, pyro, les, ça m'a pépé, je sais pas, pyro, phospho, pardon, pyrophosphorylase, deux fois, pyrophosphorylase, voilà. C'est YouTube dose, ama, PPP, je te fais croire que pyrophosphorylase, vous voyez ce que je veux dire, voilà, c'est l'alarme comme les choses. Anyway. Glucose 1 phosphate, quand il se lie à l'uridine 10 phosphate, il sera activé. Ou si vous voulez, vous voulez GLC, UDP. UDP, GLC. L'UDP, elle va permettre le glucose 1 phosphate de se lier au réseau de glycogène déjà présent dans le foie ou bien dans le muscle. Donc ici, comme vous pouvez le voir, on dit l'UDP, GLC, pyrophosphorylase. On a parlé d'une phosphoglucomutase lors de l'isomération, ça je l'oublie pas. Maintenant, on dit une UDP-GLC pyrophosphorylase qui va permettre au glucose d'être activé en liant l'UDP, l'uridine diphosphate. L'UDP-GLC, il va pouvoir intégrer la molécule de glycogène grâce à mon enzyme clé. C'est la glycogène synthase. Glycogène synthase, GS, la GS. Là, vous vous souvenez, elle est très importante parce que maintenant, je vois d'autres, où elle sera aussi utilisée. Ou bien, pardon, comment elle sera activée. La glycogène synthase, elle va permettre, comme GLC1, elle va le lier au glycogène déjà présent en formant ce qu'on appelle les liaisons A4. Les liaisons A4 ou bien alpha-4, c'est ils vont permettre de faire l'élongation. Donc, on a une première liaison, d'accord? A4, au niveau du quatrième carbone. Donc, Abdulkam, troisième phase. UDP-GLC, c'est-à-dire glucose activé, se lie au glycogène déjà présent et me donne glycogène N plus 1, c'est-à-dire là, c'est le glucose, il a intégré le glycogène et l'UDP, parce que justement, l'UDP, le but de là, c'était juste d'activer ou elle permet la liaison, c'est tout. Par, bien sûr, la glycogène synthase, c'est donc la synthèse du glycogène en formant une première liaison A4. Okay? Donc, c'est ça. On parle d'une élongation de la chaîne. C'est le glycogène. Quatrième étape, je remarque qu'il y a une déformation d'autres types de liaisons, justement parce que le glycogène, c'est un réseau. D'accord? Là, j'ai eu une élongation. La quatrième, c'est une ramification. Donc, j'aurai le glycogène, grâce à une enzyme branchante, a branché le glycogène d'Yelna en formant de nouvelles liaisons A1 et 6. Premier carbone, sixième carbone. Donc, vous imaginez, genre, bloque t'as le glycogène. D'accord? C'est ça le principe. Au début, on dit élongation, une toute première liaison, mais après, il y a d'autres molécules qui vont se lier. Donc, j'aurai ramification au niveau du premier, au niveau du sixième. J'espère que c'est clair. Donc, ceci est à la Jelchkon, l'enzyme branchante. Le glycogène. Donc, là, vous faites une révision pour biochimie et pour NutriPath. Est-ce que vous avez compris le principe ou bien comment la glycogénèse se passe? C'est-à-dire qu'il faut se nourrir le glucose 6-phosphate le glycogène. C'est-à-dire qu'il faut intégrer les molécules de glucose, le glycogène, au niveau du foie et du muscle. C'est la glycogénogenèse. Est-ce que vous avez compris? Vous me dites s'il vous plaît au niveau, s'il vous plaît, vous me dites au niveau du chat, est-ce que la compte Simalhas? La compte Simalhas? Parce que là, non, il y a bien. Fahamto, qu'est-ce que vous fahamto? Fahamto la glycogénogenèse? On continue pour la glycogénolyse. Donc, comme vous me répondez à là, est-ce que vous avez le mécanisme de glycogénogenèse? Je vais vous le
Selma, oui. Les autres. Oui, les 8 personnes. Femto Kamal. Ah, débrièvement, oui. D'accord. Alors, oui. Maalesh, c'est pas grave. Naoud, d'accord. قلت لكم دونك لا فورس تعاودو نورمالمون خلاص تشدوهم تحفظوهم عندكم لا غليكوجينوجينيز وقتاش تصرا لكم غليكوجينوجينيز سي لورسكو فو زات ان هيبر غليسيمي باسكو فو دوفري كيش يقولوا ستوكي الغليكوجين او نيفو دو فوا اي او نيفو دو موسكل باسكو لا فو زوري سينتيز دو غليكوجين ا بارتير دو غلوكوز. Donc, la glycogénogenèse, elle est activée par la présence d'insuline. Donc, un des hyperglycémies, les cellules bêta-pancréatiques synthétisent l'insuline, c'est d'aller la glycogénogenèse. La glycogénogenèse, comment elle est faite? Un des l'intégration du glucose au niveau des cellules par une kinase, il voulait les glucoses 6-phosphates, quand il y a une kinase, il y a une phosphorylation. La glucose 6-phosphate, l'ASM, il va subir une isomération. Cette isomération, comment elle se fait? C'est par le biais d'une phosphoglucomutase. Pardon, pardon, très je reviens. Pardon, guys, vous avez écouté ce que vous avez dit. J'espère que vous avez écouté ce que vous avez dit. Ah, bien, classe, tant mieux. Je vais essayer de durer les cheveux parce que la glycogénogenèse est activée par l'insuline lors d'une hyperglycémie. D'accord? Qui fait? Elle va en premier lieu, bon, faire à 4 étapes. Une étape d'isomération, j'aurai besoin d'un glucose 6-phosphate, glucose 1-phosphate, parce que le phosphate d'Yelna, il va muter au niveau plutôt du 6e carbone jusqu'au 1er carbone, c'est-à-dire chauffe-eau. L'isomération, où je la molécule d'Yelna, elle est formée des mêmes composants, un changement au niveau de. Qui fait que je tente de faire les molécules. Donc là, je vais partir d'un phosphate qui est au niveau du 6e carbone du glucose à un phosphate qui est au niveau du 1er carbone du glucose. Ceci se fait grâce à une phosphoglucomutase. Donc, phospho pour le phosphate qui va muter au niveau du glucose, même le 1er, pardon, le 6e au 1er carbone. Donc là, vous n'apprenez pas ça. Phospho-glucomutase. Notez comme une astuce, une tomate d'eau. PGM, de PGM. Donc, isomération entre parenthèses PGM. Qui est la molécule d'IL comme la P, c'est pour phosphate. G, c'est pour glucose. Ou je note M, c'est pour mutase. Le phosphate d'IL va muter du 6e au 1er carbone. Donc là, vous n'apprenez rien. C'est ça l'isomération. La deuxième partie, ou bien la deuxième réaction, je dois activer mon glucose 1-phosphate pour l'intégrer. Ou bien pour qu'il puisse intégrer la glycogène, le réseau du glycogène qui est déjà présent. Donc là, mon glucose 1-phosphate va se lier à une uridine diphosphate, UDP. Ça va me donner du UDP-GLC. Maintenant, là, j'active le glucose qui va lui permettre d'intégrer la molécule de glycogène. Donc là, ceci se fait grâce à quoi? À une UDP-GLC. Donc là, j'apprends rien, c'est déjà, je l'ai déjà dans ma réaction. Pyro. Phosphorylase. C'est rien. Pyrophosphorylase. Donc là, c'est à apprendre. UDP, GLC, pyrophosphorylase. C'est pour activation du glucose. Une troisième partie qui consiste à allonger la chaîne, c'est-à-dire j'aurai formation d'une première liaison au niveau du 4e carbone. Donc là, une seule liaison au niveau du 4e carbone du glycogène. J'aurai donc ici. UDP-GLC, l'ERAHO activé, c'est le glucose activé, plus molécule de glycogène, qui est donc réseau qui est déjà présent, grâce à la glycogène synthase. Parce que comme la glycogène synthase, il y a une chauffe qui fait activer, c'est très important. Où est-ce que vous voulez?
هيدروجين ولات لي ها الجليكوجين ان ان ماتيير ولات لي الجليكوجين ان بلس 1 معناتها زادت لي اون موليكول داكور عندي اون موليكول دو جي ال سي 1 يا انتغري مون ريزو دو جليكوجين ان ديجا بريزون اوكي J'aurai libération de l'UDP parce que l'UDP, le rôle d'ILHA, c'était uniquement d'activer et bah, elle va permettre la liaison par biais de la glycogène synthase de la molécule de glucose au glycogène, c'est tout. Donc là, troisième phase, c'est élongation. C'est formation d'une première liaison à 4. Maintenant, on passe à une phase de ramification, c'est-à-dire là, oui, à coucher, je roule le glycogène, je roule des blocs. J'ai une molécule, tout ça, d'une autre molécule, tout ça. Et donc là, j'aurai différentes liaisons qui vont se former. Mais je serai au niveau du quatrième carbone. D'accord? J'aurai pas qu'une seule liaison. Elle n'est pas linéaire. Elle, c'est un bloc, c'est un réseau. Donc ici, c'est justement le glycogène d'IL1. Elle va subir une ramification. C'est-à-dire qu'il y a une autre, ou il y a une autre, j'aurai formation d'autres liaisons. C'est la ramification. Et donc, c'est des liaisons 1 à 4, ou bien si vous voulez, A alpha A4, au niveau du premier et sixième carbone. Donc là, je connais l'idée de la ramification. C'est une enzyme branchante. Une enzyme branchante. Donc là, un des quatre enzymes, phosphoglucomutase, l'idée de l'isomération, UDP-GLC, pyrophosphorylase, l'idée de l'activation en liant l'UDP au glucose. Glycogène synthase, les rôles comme belle écoutera parce que le chauffe qui fait t'activa, c'est la molécule clé de la glycogénogenèse qui va permettre de former la liaison A4 qui a pour but d'allonger la chaîne, une enzyme branchante qui va permettre la ramification, formation des deux liaisons 1 et 6. Est-ce que la glycogénogenèse est claire? S'il vous plaît, vous me dites le chat. Je vais faire la glycogénolyse, c'est-à-dire qu'il faut utiliser le glycogénogenèse lorsque je suis en pénurie. Qui est hypoglycémie et en premier lieu, ou bien j'ai besoin de lyser le glycogène pour synthèse de glucose pour but de synthétiser de l'énergie. Est-ce que pour les autres, femto, à part à la scène. Oui, Aliya Fahmet. Attendez, je cherche Hamoud. Tmenia. Les trois autres personnes de Blabbi Kono, Second Harbour, Khlad Hamchouya, peut-être. Ou les Kono Ayao. Je bâche Bzafna, sûrement. Les autres. Alors, Malish. Oui, allez bien. Maintenant, on continue. Vous allez... Bon, maintenant, on va voir la glycogénolyse. Maintenant, comment est-ce que je vais. Lisez, utilisez le glycogène que j'ai stocké au niveau hépatique et musculaire. Vous allez me dire, lorsque je suis en hypoglycémie, c'est logique, donc on va descendre, moi je vais directement dégrader les protéines ou dégrader les lipides. Il y a le glycogène, ok? Donc là, comment ça va se faire? C'est simple. J'aurai tout d'abord une dépolymérisation du glycogène. Qui fait je dépolymérisation? J'aurais besoin d'une glycogène phosphorylase. Où je vais dire les trailo. Comme déjà Thomas, molécule égale le réseau tactique comme ta glycogène, il doit avoir besoin d'un PO4H2+. Ce qui va permettre, le PO4H2+, il va permettre la libération d'un glucose en phosphate. Sur le NSI, il y a axia, vous voyez. Donc là, justement, je vous ai dit que lorsque je suis en hypoglycémie, il me dit des hormones, mais je sais qui seront synthétisées. On dit le glucagon par les cellules alpha pancréatiques et l'adrénaline par les glandes surrénales. OK? Donc là, glycogène N plus PO4H2- et après le glycogène N plus 1, c'est-à-dire je vais libérer là, activer le glucose ou le sucre. Là, je vais dépolymériser, pardon, la polymérisation. C'est quoi la polymérisation? C'est l'attachement, la liaison. Donc là, on va libérer glucose 1 phosphate. On va nettoyer les liaisons que j'ai formées, A4, A5, pardon, A6, A1, pour libérer glucose 1 phosphate. Est-ce que là, ceci se fait grâce à la glycogène
phosphovillase. Donc, quand vous حفظوا les premières lettres, باش هكذا, ça va vous permettre de حفظهم bien. C'est la GPP, glycogène phosphorylase. Alors, la GP, glycogène phosphorylase, واش حدير لي, elle va me permettre de dépolymériser une molécule de GLC1P. Le glucose, moi je suis stocké sous forme de glucose 1 phosphate parce que justement il a subi une isomération où il a les glucose 1 phosphate à partir du glucose 6 phosphate. Donc là, il met le glucose, moi je pense que c'est le glucose 1 phosphate. Pardon, glucose 6 phosphate. Glucose 1 phosphate. Parce que là, il est stocké. J'espère que là c'est clair. C'est simple, hein? C'est juste hadith, c'est l'inverse. Parce que là j'aurai des polymérisations, c'est-à-dire tout d'abord. Les liaisons. J'aurai un débranchement sous l'action de l'enzyme débranchante. Là, branchée, pardon, là, enzyme branchante, là, elle débranchera. L'enzyme débranchante. Donc, une première phase qui va me permettre de libérer le GLC1P. Une deuxième phase, l'enzyme de débranchante pour débrancher ma molécule de glucose, mon glycogène. Le glucose 1P qui va être lisé ou bien libéré, il va subir une isomération de la même manière, amélia axia, par une phosphoglucomutase. Adamakan, la PGM, l'hydernaléa, phosphoglucomutase. Ou alors, parce qu'elle va me muter un phosphore, même carbone 1 au carbone 6. Bedlitli, l'isomérie dialo, adamakan. Donc, je suis partie d'un glucose 1 phosphate à un glucose 6 phosphate. En bas, là, j'aurai hydrolyse du glucose 6 phosphate en glucose normal, parce que justement là, le glucose 6 phosphate d'IL, il est lié à un phosphate au niveau du 6e carbone. Donc, logiquement, c'est une enzyme zginha, glucose 6 phosphatase. Maintenant, lise du phosphate qui est présent en 6e carbone du glucose pour me donner le GLC. C'est le glucose. L'IHRJLE par la veine hépatique. Justement, une petite information, dernière nutrition et pathologie. Donc là, genre, on est en train de faire biochimie, nutrition et pathologie. Donc, où je parle là, nutrition et pathologie, on a que le glucose, le foie, c'est l'unique organe qui peut me libérer le glucose. Chauffe, le muscle m'a libéré le glucose. C'est-à-dire le muscle, il reçoit le glucose, puis c'est un petit... Les autres tissus adipeux, mais libérer les glucose. À part le foie et dans quelques cas le rein, bon, on le parce que là, on le diététique. D'accord, donc le rein, on le il le diététique. Uniquement, les deux organes, ils peuvent le glucose. Donc, dans ce cas-là, je parle du foie. Donc, le foie, il s'appelle le glucose. Bah, il le glucose, il peut le la circulation. Il va. D'autres tissus, par exemple, le muscle, D'accord. Au niveau de la membrane musculaire, les exokinases qui vont lui permettre d'intégrer le tissu. Donc, ici, j'espère que c'est clair. Les autres, alors, là, 10h36. La glycogénolyse, c'est-à-dire comment j'utilise le glycogène que j'ai stocké pour synthétiser le glucose pour n'empêcher d'autres tissus de dérouler et synthétiser au lieu de l'énergie, de dérouler la glycolyse. Est-ce que vous avez la glycogénogénèse et glycogénolyse ou la naudora dans la colonne? Je vous attends. Je ne vais pas avancer de la. Fatma Zahra a compris. Les autres. Yalla, s'il y a une personne qui m'a fait mettre, ça ne me dérange pas. On est 8 personnes. Pourtant, quand même, ils sont sur la biochimie. Peut-être que je vais dire biochimie des aliments. Enfin, je pense que je vais dire. Parce que tu cloques les enregistrements. Oui, allez. Normalement, je vais tout quand même. نعود نولد للبروف هنايا
Alors, on parle avec les différents types de transporteurs membranaires du glucose. Là, si vous vous souvenez, on a parlé hier des SGLT et de GLUT. La partie de la physiologie de la digestion, où le transport des glucoses, on a deux types de transporteurs. Donc, vous allez voir très le les types de transporteurs de quoi tu parles. Diététique, nutrition pathologie, physiologie de la digestion, biochimie des aliments, là où vous allez trouver les transporteurs du glucose. Justement, on a comme une entérocyte. C'est quoi? C'est une entérocyte, elle a une phase basale, ou bien si vous voulez la membrane basolatérale, comme la bordure en brosse, les microvillosités, pardon, les donc fera, bon, ça c'est justement au niveau de l'entérocyte, au niveau de la bordure en brosse. Au niveau de la membrane apicale, des transporteurs, mais nous avons des transporteurs de glucose. Alors, je crois que c'est comme le bar. Je crois que comme voilà le fructose, il trouve par un glut 5, c'est-à-dire fructose très le docante comme un, comment dire, un. Bon, quelqu'un, voilà. Donc, glut 5, on a rien. On a d'autres. Malèche. Glut 5, là, au niveau de la membrane, moi, je suis fructose. Je fais aller là. Glut 5. Fructose utrole par diffusion facilitée. Il n'a pas besoin d'un gradient d'électrolyte. Okay? C'est-à-dire, le transporteur glut 5, le fructose, il n'a pas besoin de capter des électrolytes. Ce n'est pas un simple port. D'accord? Ce n'est pas un port qui va ou bien qui doit capter Zojafaïs en même temps. Par contre, le glucose ou le galactose, si, c'est les SGLT1. Alors, je mets comme SGLT. Parce que justement, c'est des symports, Alex, c'est des cotransporteurs. Donc, où je mets un cotransporteur, c'est le symport. C'est pour ça que je dis le symport. Il va non seulement capter le glucose, mais avec, il va capter 2NA+. Ben, je suis ou bien, ben, je le glucose au niveau de l'entérocyte, les méchides, les autres NA+. Donc là, on parle du SGLT1. Raoulik, SGLT, cotransporteur, symport du glucose. Avec aussi 2NA+. D'un autre côté, au niveau de la membrane basolatérale, le glucose, galactose, fructose, au niveau de la circulation sanguine, d'un côté, l'ASM, transporteur de glucose, on parle du glut 2. Le glut, il n'a pas besoin d'électrolytes. Il n'a pas besoin d'électrolyte. Il sort par diffusion facilitée. Ce n'est pas un transport actif. Il n'a pas besoin qu'il mette le SGLT. Il sort ou bien il sort deux choses en même temps. D'accord? Donc là, vous pouvez voir que le SGLT1, il sort le glucose uniquement avec la condition liée à l'azimide de NA+. Kif kif pour le galactose. Justement ici, lorsqu'il a les électrolytes et le glucose galactose au niveau de le cytosol, l'entérocyte, il faut geler la circulation sanguine par le GLUT2, c'est-à-dire par diffusion facilitée, qui est assurée par la GLUT2. Donc, prof, il y a une question, dites-moi comment se font les transports du glucose, du galactose ou bien du fructose au niveau de l'entérocyte. Vous allez dire pour le fructose, il va intégrer le cytosol de l'entérocyte via un transporteur GLUT 5 qui permet la diffusion facilitée du fructose. Une fois le fructose au niveau du cytosol, il va sortir par le biais du GLUT 2 par diffusion facilitée au niveau de la circulation sanguine. Pour le glucose et le galactose, non. Ils doivent intégrer le cytosol vers les entérocytes par biais d'un symport SGLT1 qui va nécessiter, pour capter le glucose ou le galactose, deux molécules de Na+ sodium. D'accord? Une fois le glucose au niveau du cytosol de l'entérocyte, il va intégrer ou bien il va être transporté par le biais du GLUT 2 au niveau de la circulation sanguine. Vous allez me dire, où est-ce que ça a donc les électrolytes de Na+, les électrolytes? C'est simple. Justement, les deux Na+, il y a une pompe qu'on connaît déjà. On a parlé des pompes à protons.
au niveau des cellules pariétales, au niveau du tissu gastrique. Maintenant, on va parler au niveau ici du tissu intestinal des pompes Na+K+. Justement, les ATP as Na+K+, ou bien si vous voulez, pompe sodium, pompe Na+K+, ou chidéro. L'accumulation Hadia, ils vont permettre Na+ au niveau de la circulation sanguine. Oui, la différence entre le fonctionnement d'un sapeur et le fonctionnement d'une ATPase. Une ATPase ceci va nécessiter la consommation de l'énergie. Donc, l'ATP, il faut consommer 4 ou les ADP plus PI plus énergie. D'accord? Donc là, mon ATPase Na+K+, le fonctionnement d'IRH, c'est que les Na+ qui ont été accumulés ici, parce que là, lorsque j'aurai l'ingestion des aliments, ils trouvent bzaf le glucose. Ok, mais j'aurai glucose, galactose, fructose, etc. En même temps, le K+. Par contre, le Saint-Paul, il drille les oujafaïs en même temps. J'espère que c'est clair. Donc là, pour maintenir le gradient de Na+ à concentration optimale au niveau de l'entérocyte. C'est-à-dire, on a des accumulations de Na+ de manière anormale. Est-ce que là, vous me dites, le chat, est-ce que Femto, les glutes ou les SGLT ou Kifesh, ils sortent de l'eau? C'est-à-dire, il faut que vous sachiez que là, tu as déjà une question, capable de trouver comme il y a vrai ou faux, capable de trouver comme corrigé, capable de trouver comme Yalla, vous me dites comment les glucose, fructose, galactose, ils transportables au niveau de la membrane de l'entérocyte et au niveau de la circulation sanguine. Est-ce que Femto? Allez, c'est le chat. Yusra Fahmet, les autres. On est 8 personnes. Ekram, Soumia, Rassim, Salma, Yusra, Melissa. Oui, les autres. Exemple de vrai ou faux. Ok. Exemple de vrai ou faux. Trollec, voilà. Le fructose, il est assimilé de la même manière que le glucose galactose. Faux. Le fructose, il troll par le glut 5. Je par le sympa. Trollec, vrai ou faux. Glucose ou galactose ne nécessite pas le. Plutôt, pardon, ne nécessite se font transporter par diffusion facilitée. Faux. C'est par diffusion passive qui va nécessiter, ou non, des électrolytes. D'accord? Le symport d'Yelna, c'est un symport ou bien un canal qui va permettre de capter un glucose et deux Na+. C'est-à-dire, à condition de capter le glucose, l'eau du sodium. D'accord? Vrai ou faux? Au niveau de la membrane basolatérale, j'aurai la présence d'autres symports qui vont permettre la sortie du glucose et du galactose au niveau du sang. Faux. Le transport du glucose et du galactose du cytosol entérocytaire au sang nécessite diffusion facilitée grâce au glut 2. Agda. Est-ce que là, c'est clair? Femtou les hadé. Femtou le nahado. Ou sujet, fait, yallah, vous me citez comment le glucose galactose ou fructose va être transporté la membrane entérocytaire. Donc, on a tradé le harer à la hadith, tradé comme à la base latérale, membrane base latérale, tradé le harer à la glute 2. Ou il tradé tel comme à les autres, tradé comme voilà qui fait il passe dans le sang. Là, vous allez parler de tout ce qu'on a dit. C'est-à-dire, tradé la membrane membrane apicale, tradé aussi ça au niveau du cytosol, c'est-à-dire là, tradé comme Na+ d'un côté. Et il va sortir grâce à l'ATP AsNA++ pour maintenir un gradient de Na+ qui est favorable. Par contre, glucose, galactose, fructose vont sortir au niveau de la circulation sanguine par diffusion facilitée par le glut 2. Donc là, apparemment, Femto. Maintenant,
Bon, guys, donc, tu la réunion, pas de, I think, 5 minutes, mais qu'on a brièvement les transporteurs, les différents transporteurs là. Comme vous pouvez le voir, nous avons différents GLUT et SGLT qui vont permettre les échanges de glucose par, au niveau du sang, il y a le glucose les différents tissus. Par exemple, le cerveau, nous avons fait les GLUT 3. Parce que tu as un diététique. GLUT 3, ça concerne le cerveau. C'est-à-dire, ben, le cerveau, il me consomme de l'énergie. À la base, comme les 20% de l'énergie, c'est les consommés par le cerveau. Donc là, GLUT 3, n'est pas au niveau du tissu, c'est le cerveau. Par contre, le cœur, les tissus musculaires, le tissu adipeux, je trouve les GLUT 4. OK, donc là, je trouve les GLUT 4 au niveau des cellules musculaires, des tissus adipeux. Les SGLT2 et les GLUT 2, bon, les GLUT 2, surtout déjà, donc, le pétothyroïde est au niveau de l'intestin. Donc, GLUT 2 et SGLT2. Oui, la membrane basolatérale, terre, les entérocytes, le carême de les reins. Au niveau de l'intestin, SGLT1, transport de glucose galactose, plutôt, pardon, GLUT 5, transport apical du fructose. GLUT 2, transport basolatéral du glucose galactose. J'espère que c'est clair. Pancréas et foie, je trouve des GLUT. Bon, GLUT 2. Yes, je trouve des GLUT 2. Oui, c'est vrai. Alors, le foie, au niveau du foie et du pancréas, je trouve des GLUT 2. Hadoma, chauffeur, fada, mais ça. Donc, je pars du cerveau GLUT 3. Au foie et au pancréas, GLUT 2. À l'intestin, GLUT 2, GLUT 5, SGLT1. Au rein, SGLT2, GLUT 2. Au tissu adipeux et musculaire, GLUT 4. J'espère que, étape par étape, le cerveau, le foie et le pancréas, l'intestin, les reins. Donc, genre, au niveau de votre corps. Mais je vais faire les OK? Alors, donc, je vais arrêter la réunion, je vais faire d'autres, d'accord? Parce qu'il va durer 5 minutes.